La première fois que j'ai exposé Miguel Chevalier, c'était dans une exposition collective, hommage à Garcia Rossi, qui malheureusement venait de nous quitter et qui était un des plus grands peintres de la couleur lumière, membre aussi et cofondateur du groupement d'art visuel. C'est ainsi que ma relation avec Miguel Chevalier a commencé et continue, je dirais, presque naturellement avec cette exposition Vortex, qui est une toute nouvelle étape dans le travail de Miguel Chevalier, donc avec un nouveau logiciel et avec de nouvelles œuvres et une nouvelle série. Nous avons des vortex et nous avons évidemment des tornades, puisque la tornade n'est jamais qu'une sorte de vortex en émulsion. Alors cette exposition est quelque part évidemment le miroir de ce qui se passe dans l'univers et qu'on ne peut généralement percevoir à l'œil nu. Donc là, nous avons des vortex qu'on perçoit grâce à Miguel Chevalier et à son nouveau logiciel à l'œil nu. L'idée, c'était de transcrire tout cet univers aujourd'hui immatériel qui est autour de nous avec les smartphones, avec le Wi-Fi. Et au fond, l'exposition tourne autour de cette idée de flux, de mouvement d'énergie. Et donc, on a à la fois des sculptures comme celle qui est ici, qui est à la fois comme un ruban de Möbius, qui est cette idée de l'infini. Mais il y a aussi d'autres sculptures qui sont des doubles vortex, en quelque sorte, qui s'emboîtent les uns dans les autres. En fait, il y a des œuvres, des sculptures, des œuvres fixes, et puis il y a des œuvres présentées sur des écrans LCD. Et voilà, et donc du coup, ça fait tout un ensemble qui permet d'avoir une nouvelle approche de mon travail. On est moins dans l'univers réaliste qu'on connaît des jardins et on est plus dans l'univers d'un monde qui explore l'immatérialité qui nous environne. Et au fond, comment il faut être aujourd'hui dans ce mouvement, si on veut encore exister ou si on peut exister, il faut être dans ces mouvements énergisants, sinon on est éjecté de ce process. Donc voilà, donc pour moi, l'exposition ici me faisait sens parce qu'il y avait aussi des œuvres. Il y a deux œuvres plus anciennes qui sont ces QR codes et qui parlent du virtuel et du pixel qui, au fond, sont la base de tout ce que je développe dans le monde digital.